Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est préparatif depuis hier pour nos vacances que Giuseppa m'a offert pour mon anniversaire. Donc j'ai hâte, je suis trop chaud, je suis trop content. On va se régaler, on part dans les îles. Mais quelle île? Bien évidemment, on lâche pas quand même, hein. Même si on part en vacances, ces petits fruits secs avec ces bananes. Des œufs, du blanc de poulet, de la prote, pour essayer de s'entretenir au max. Voilà, dans 2 mois, ça y est, hein, c'est le printemps, on commence à attaquer un peu la bronzette, ça commence à sortir le corps, ça commence à sortir les lolos, ça commence à sortir un petit peu son physique. Et du coup, mais je le répète à chaque fois, c'est à partir de janvier, vraiment, février, qu'il faut envoyer la purée, parce que sinon, tu prends du retard et arrivé en avril, mai, tu te dis, oh, qu'est-ce que c'est, le corps que j'ai, les flingués au sol. Donc, ça part aussi par une bonne nutrition. Donc, voilà, c'est pas tous les jours facile à faire, mais il faut s'accrocher. Mais en vrai, des fois, je vais pas à la salle de muscu pendant 4-5 jours. Je me fais des pompes chez moi. Je vais un peu courir un quart d'heure, 20 minutes. On me prend pour un fou, je cours que 20 minutes. Ouais, ça me suffit, ça me fait décrasser. 20 minutes, je cours, je reviens, je me fais un peu de gainage, un peu de pompe, bam, je mange bien. De suite. Avec les hormones, je suis quand même passé par plein d'étapes. Hein. Le beurre à fond, ensuite ça a été les fraises, ensuite ça a été. C'était quoi tes envies de femme enceinte? Le riz. Ah, le riz. Et ensuite, les saucisses. Moi, comment? Ma saucisse? Non! Ah, je sais pas, tu me dis moi! Et là, c'est quoi que tu manges? Des palmiers. Voilà, en ce moment, elle mange que ses. Voilà. Et une ambiance trop belle, tiens. Vous savez, c'est quoi ma plus grosse angoisse quand je pars en vacances? Ou quand je partais aussi dans les Marseillais? C'est l'avion. L'avion, 9 heures d'avion, un stress, une angoisse d'être enfermé dans cet avion. Ça, c'est dur, ça, c'est un combat. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour moi qui me fait déstresser. Noël, j'ai pas eu le temps de le mettre dans le garage, pas encore fait les travaux. Du coup, casse-noisette, il est là, surveille le studio. Trop beau, vous êtes. Et hop là, Dimitri Payet.